Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de maquillage. Alors, je m'appelle Nathalie Krebs, je suis fondatrice de la marque Your Nails International et formatrice internationale, c'est-à-dire que je vous forme, peu importe où vous vous trouvez dans le monde et je vous accompagne au quotidien pour réussir. Mon objectif, c'est que toutes mes élèves connaissent le succès et que je forme les meilleurs de demain. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler un petit peu de maquillage. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le savez sans doute, je propose des formations dans la prothésie ongulaire, donc dans les ongles, formation base et perfectionnement, qui est la formation, je pense, la plus complète qui existe actuellement sur le marché. Également donc le nail art qui est très complet aussi, plus de 100 cours de nail art. Et les formes artistiques où je vous apprends les principales formes. Mais à côté de ça, j'ai également une formation en coach en maquillage. Alors là, vous pouvez me dire, mais quelque chose que je comprends pas. Quelle est la différence entre être maquilleuse et coach en maquillage? Alors, j'ai pris le terme de coach en maquillage, ça pourrait être conseillère en maquillage, ça pourrait être... Voilà, on pourrait y mettre plusieurs termes. La différence, c'est qu'en fait, pour être maquilleuse, il faut le CAP, il faut un diplôme d'État. Donc soit le CAP ou le bac professionnel d'esthétique, le BTS esthétique cosmétique, voilà. Donc il faut un diplôme. Pour être coach en maquillage, il n'y a pas besoin de diplôme. Et là, en fait, la frontière, elle est mince. Et il y a souvent, justement, des frontières comme ça. Par exemple, pour la prothésie ongulaire, on entend très souvent encore qu'il faut le CAP ou qu'il faut un diplôme niveau 5 ou RNCP. Non, en fait, c'est pour l'instant, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, il faut simplement ne pas réaliser de manicure, ne pas réaliser de soins sur les mains, puisque c'est des pratiques qui se font dans le programme de CAP ou de BTS ou de bac professionnel. Donc pour le maquillage, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va un petit peu détourner les choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'être payé pour faire un maquillage, mais vous avez le droit d'être payé pour donner des conseils à des personnes pour qu'elles puissent se maquiller. Vous voyez la nuance entre les deux? C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez donner des cours de maquillage. Et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Donc déjà, donner des cours de maquillage, ça peut être hyper intéressant, puisque vous pouvez à la fois cibler des personnes individuelles, vous pouvez également créer des animations de groupe. Par exemple, ça peut être hyper intéressant de créer une animation pour un groupe d'amis, par exemple, des jeunes filles qui voudraient apprendre à se maquiller, ou des femmes un peu d'âge un petit peu plus mûr, de 40 ans, qui ont envie de se mettre plus en valeur. Ou par exemple, un enterrement de vie de jeune fille, ça pourrait être super intéressant aussi. Donc on peut créer comme ça des journées à thème où on va former plusieurs personnes en même temps. Donc déjà, vous êtes rémunéré sur les cours que vous donnez. Donc moi, je vais vous apprendre bien sûr donc tous les rudiments du métier de maquilleur pour que vous puissiez en fait savoir comment conseiller les gens. On va voir comment améliorer les différentes formes de yeux quand ils sont trop écartés, trop rapprochés, refaire une belle bouche quand la bouche est trop fine, amincir une bouche trop volumineuse, reprendre les formes du visage. On va vraiment voir énormément de choses en ce qui concerne également la colorimétrie, donc quelle couleur on va choisir par rapport à quelle carnation, couleur de yeux, couleur de cheveux, etc. Et vous allez vraiment avoir énormément de connaissances là, dans ce domaine-là. Et en plus de ça, et ça c'est une question que je voudrais vous poser aujourd'hui et je pense que c'est très pertinent, actuellement je ne formais pas avec une marque particulière, mais j'ai actuellement la possibilité en fait de faire une sorte de partenariat avec une marque qui me semble vraiment très intéressante puisqu'ils ont des produits vraiment hypoallergéniques, ce qui va dans le sens de ce que je propose déjà au niveau des ongles, puisque voilà, je suis dans le vegan, hypoallergénique, sans acide, le plus sain possible. Donc là, c'est vraiment tester dermatologiquement et ophtalmiquement, donc pour éviter justement les problèmes au niveau des yeux, en sachant que voilà, certains produits peuvent un petit peu irriter, donc les produits en contour des yeux, tout ça, peuvent un peu irriter les yeux, et là ce sera pas le cas. Donc ça va commencer par une petite gamme de produits, mais ensuite voilà, ça va se développer. C'est une entreprise qui démarre à peine et donc du coup qui est hyper prometteuse parce que les produits ont l'air vraiment sympas. Donc je vais tester leurs produits et je voulais justement votre retour sur le fait que ce serait intéressant ou pas pour vous justement d'associer
les cours de maquillage avec la vente de maquillage. C'est-à-dire qu'en fait, vous formez, entre guillemets, au maquillage les personnes, donc les novices hein, qui n'y connaissent pas grand-chose finalement, les particulières, hein, vous ne formez pas des professionnels, mais des particulières qui veulent simplement apprendre à se mettre en valeur d'après voilà leur carnation, la forme de leurs yeux, la forme de leur visage, toutes ces choses-là. Et ensuite, eh bien, vu qu'elles ont travaillé avec ces produits-là, eh bien, l'avantage, c'est qu'on peut également leur revendre et toucher une partie donc sur le maquillage qu'on leur revend. Donc est-ce que c'est pertinent pour vous justement que je fasse ce partenariat avec cette marque? Je suis totalement transparente avec vous, hein. Je préfère toujours vous demander votre avis. Est-ce que vous seriez intéressé également que je vous fasse des vidéos avec ces produits qui moi me semblent vraiment de bonne qualité et vraiment qui ont des produits qui moi m'intéressent en termes de couleur de rouge à lèvres et toutes ces choses là, ils ont l'air vraiment très très bien. Et bon, la texture, j'ai pas encore pu la tester, mais j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Est-ce que ça vous intéresse justement de pouvoir associer les deux, ou est-ce que vous justement vous voudriez peut-être plus travailler avec des marques comme Sephora ou des choses comme ça, en sachant que là pour le coup vous ne touchez rien sur les produits que vous vendez, c'est-à-dire que vous allez conseiller des produits. Voilà, je vous ai montré que tel produit serait compatible avec votre peau, machin. Vous faites une petite ordonnance entre guillemets, encore une fois, et ensuite la personne va aller dans Sephora, Nocibé, voilà, dans ces grandes chaînes-là, et va dépenser donc les sous là-bas. Ou alors, si ça vous intéresserait plutôt, ben, de toucher. Alors moi, ça me semble un peu pertinent quand même, hein, mais de toucher sur les deux prestations, c'est-à-dire à la fois sur le conseil en maquillage et à la fois sur les produits de revente, en sachant que vous toucherez entre 40 et 50%, ce qui est vraiment énorme. Donc si ça vous intéresse, voilà, c'est une marque qui est toute jeune, qui démarre. C'est énormément de potentiel et c'est une petite part de risque aussi, puisqu'une entreprise qui démarre, on ne sait jamais vers où elle va aller, c'est-à-dire si ça va vraiment cartonner à fond ou alors moins bien. Mais je pense qu'elle a vraiment tout en main, cette marque, pour justement aller loin. Donc c'est pour ça que je voudrais tester les produits, je voudrais vous montrer les produits également en vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des petits tutos maquillage avec ces produits-là. Peut-être que vous avez envie de les tester, parce qu'en plus ils auront des kits vraiment pas chers à partir de 29 €. Donc c'est vraiment hyper abordable. Le kit le plus cher, il sera à moins de 150 € et il est quand même bien fourni. Il y a pour plus de 350 € il me semble de valeur de produits, donc quand on les achète beaucoup moins cher. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, dites-moi le dans les commentaires. Voilà, j'aime toujours vous demander votre avis, parce que pour moi c'est hyper important. Je pense que c'est un échange entre nous. Et donc du coup, si cette formation de coach en maquillage peut vous intéresser, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur le site www.yannels-international.com, justement dans la partie maquillage. Alors j'ai une formation maquillage pour particulière et maquillage professionnel, donc prenez bien la professionnelle. Et si vous avez des questions avant de vous inscrire, eh bien vous pouvez me contacter. Donc dans la partie formation, toujours il y a une partie appel stratégique où vous pouvez réserver votre rendez-vous téléphonique avec moi directement et on parle de votre projet. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'attends vos retours dans les commentaires et donc du coup, ben, je vous dis à très vite. Passez encore une très bonne journée.